Bonjour, bonjour mes amis. Comment allez-vous? Espérant que vous ayez la paix aujourd'hui. Bienvenue sur la plateforme que nous remet en pile là, si Covid à Faniel. Nous pensons avec un immense et réel plaisir. Nous rejoignons là et ceci nous pour passer un très bon moment d'information et de formation. Nous ne pouvons jamais suspendre d'y mettre la vie. Merci grand créateur, lui-même qui va nous force, qui va nous courage, qui permet que nous connecter dans l'énergie centrale lien pour nous capables de force et toujours garder la vie sous la terre pendant pèlerinage nous. Moi, inviter chaque monde capable d'expérimenter ce créateur par moyen de son fils Yehoshua Machia. C'est lui qui est capable, eh bien, sauver nous de tout ça qui gagne pour passer pour aider nous sauver nous. Moi, dis chaque monde qui a regardé nous là, fait de plateforme, ça y a un espace pour tant de garder bonjour information, en vérité ou pas regrette. Et pensez que moment arrivé pour capable abonner. Mabaou, une seconde pour faire ça, abonner, partager. Bon, moi j'aime ça. Et c'est le seul moyen qui a montré nous que ou remet nous, ou remet le travail qui nous a fait dans la société. On va aller. Faites ça. Vous êtes très gentil. Je viens nous pour parler de. Et gang qui a opéré dans le quartier Gravine, c'est lui-même. C'est dit qu'Adissien pointé du doigt dans Axi là, deux mounes qui kidnappent yo t'a préparé pour yo prendre direction au CAI, dans la troisième ville paysan d'après Meus en jeu. Dirigeant syndical continue à encourager citoyens pour faire un pile prudence. Et puis il m'a dit pour ne pas faire route Matisse Fontamara à cause opération policière et puis à cause tout mouvement Bois Calais en examen qui obligé rester dans Basio. Mais yo même qui contrôle l'entrée ici de capital. La continue à multiplier cas enlèvement dans secteur si là n'a pas plus aussi pas première fois ça arrivé puisque monsieur était déjà kidnappé là on n'a rentré ici dans la capitale là et n'a pas plein de bails et formation ça déjà pour matin qui Jean Fontamara levé est-ce que vous êtes capable sur ça gagner selon un communiqué qui est publié à Yamadia au commissariat ONU pour droit monde pour premier trimestre année 2023, il fait qu'on est 846 monde qui déjà mouri et a plus passé 393 l'autre blessé et puis 395 qui enlevé. Soyons augmentation 28% violence par rapport avec trimestre qui s'est passé là. C'est donc un cycle violence sans fin en Haïti, d'après dénonciation commissaire Volker Tuc qui soulignait situation d'urgence dans affaires d'Ouamoun, li nécessité une réponse forte de toute urgence. Dans un rapport qui rend public, il prend en compte période qui sortit mois janvier 2023 pour arriver mois mars 2023. Volker Tuc a affirmé violence qui gagne en Haïti n'est pas seulement extrême mais li fait plus souvent et le prend plus territoire à cause gang yo qui a cherché étendre contrôle yo. Li fait remarquer tout gain quelques zones capitales là qui auparavant qui étaient considérées comme zones qui sûres, notamment Kinskoff et Pétionville avec département la Tibonite désormais yo touché avec phénomène insécurité. Enlèvement yo augmenté 12% par rapport avec trimestre qui s'est passé. Violence sexuelle qui continue gang yo continue utiliser comme une arme pour capable simer la Thérèse et puis pour capable faire population souffrir. Rapport s'il a évoqué tout, plusieurs tireurs qui prend le malin plaisir à tirer sur le monde qui a passé, monde qui brûlé tout vivant dans le transport public, toujours d'après rapport s'il a souligné émergence, c'est-à-dire groupe autodéfense qui a s'y mettre en coup de jour dans diverses zones, qui portait nom brigade vigilance suite avec appel, certaines personnalités avec quelques journalistes lancés pour citoyens capables d'organiser, pour capables lutter contre violence gang. C'est groupe autodéfense qui à l'origine collectif moun qui a arraché de manière collective ça qui entraînait au moins 75 monde qui mourit parmi eux, 66 membres gang qui mourit, qui soit raché. Et c'est groupe autodéfense qui pose des actes durant le premier
trimestre année 2023. Haut commissaire ONU pour droit moun nan Volker Türk, qui en février passé pendant première visite officielle en Haïti, t'a encouragé communauté internationale pour soutenir et puis soutenir renforcement police nationale et puis déployer en urgence une force soutien pour une période limitée. Li réitéré dans rapport si la appel ça dans même Tiamio pour capable gain renforcement police nationale d'Haïtien, mais tout déploiement en urgence une force de soutien. Moi réitérer et appel moi à la communauté internationale pour déployer une force soutien spécialisée respectueuse droit monde et puis limiter dans temps avec un plan action complet pour capable aider institution haïtienne. Il a affirmé pour moment ça l'état pas qu'à faire face à obligation qui s'est protéger citoyen yo. Il souligne la population t'a dû compter sous la police et autorité judiciaire pour attaquer violence gang yo. Mais en réalité, l'État n'a pas de capacité pour réagir. Population, c'est lui-même qui a baissé la justice, mais ça vient augmenter la spirale violence qui gagnait en Haïti. C'est ça, nous capables d'avoir un thème de résumé dans le cadre pour ça, au commissariat Nations Unies, souti, sous question violence ou bien phénomène d'insécurité qui gagne dans le pays d'Haïti. Nous apprenons direction Jacques Mel, gagne deux mounes à autorité policière yo te arrêté. Dans Jacques Mel, yo te gagne sous yo, yon fusil d'assaut, mac axéri falsifié. Deux mounes sa qui est sur yo. C'est Odelson Dosou qui gagne 32 l'année, ak Reus Christel qui gagne 37 l'année, yo te spécialisé yo dans trafic ZAM. Odelson Dosou qui gagne 32 l'année à Soti Port-au-Prince, Reus Christel qui gagne 37 l'année sorti en sapitre. Selon information enquêteur à direction centrale police et judiciaire au disposé, individu ça a été entraîné yo a te gain relation avec bandit notoire Bougoy chef gang qui a opéré dans grand ravine yon qui trouvait dans département l'ouest pays d'Haïti. Yo te gain également habitude utiliser zone cimetière Port-au-Prince pour capable faire activité livraison d'armes avec acolyte. N'a noté pendant audition ça réussi Christel li avoué lui-même fusil il était gagnant, c'était un dominicain qui était qui fait partie membre réseau trafiquant ça qui était balil. Nous apprenons direction Okaï avec opération ça un paquet Okaï en tête collé avec police Sid Payan mené dans la nuit 8 pour l'ouvrir mardi 9 mai 2023 commissaire gouvernement Okaï là en tête collé à PNH Sid Payan touillé populaire ainsi connu yon présumé bandit qui gagne habitude rançonner mon bloc la créole bo tambou ak bo cimetière Okaï dans opération ça autorité au saisi yon zam calibre 38 qui était en possession présumé bandit hein. N'a pas rappelé opération ça mené dans localité la créole yon quartier populaire dans ville Okaï. Nous invitons côté commissaire gouvernement Okaï la maître Ronald Richemont pour plus de détails. Nous parlons avec Maître Ronald Richemont qui t'a parlé comme ça dans le micro, correspondant à nous, Javanel Soliman. Donc nous t'es délogé, nous t'es arrêté là-dedans, et là-dedans nous t'es couru, des populaires, des chefs gang ça, populaires, des chefs gang là, monsieur t'es couru, monsieur le caché, et monsieur, maintenant là, hier depuis hier, on apprend que monsieur retourne dans la ville là, donc nous mettons antenne sur lui, et dans la créole, donc monsieur Blouk blessé mortellement, et dans âme de calibre 38, qui c'est ancien âme la police, qui s'est vu. Et par le parquet des cailles. Comme nous disons, nous-mêmes, ce soit déposé ou bien reposé. Nous allons écouter une bande de cachés, nous allons écouter une bande de bandits, donc nous-mêmes, dans le travail, la journée ou la nuit, pour que la population soit capable de mettre en paix. Il faut que le sud ait été salté dans le temps. Et il faut que la ville des cailles, lui-même, tout ait été salté. Donc, par écouter pour nous, pour le bandit, il vient de bandits là. Donc on a bien, bah, la police déterminée comme un seul homme pour veiller et traquer tout le monde qui a fait mauvais actes dans la ville là. Et nous-mêmes, nous ne pouvons pas mélanger. Et pour que Marie Bandi arrête Bandi, ou du moins je choisis voie qui dit bon pour nous. Bon, monsieur, j'aime bien monsieur là, bon, bah, on est, bon,
je suis recouru à l'hôpital Avel, donc même moi, je suis gagné pour ce mentalement. Donc, désolé pour ça qui vient, parce que je n'ai pas bien, mais je suis beaucoup de désinformation, parce que je n'ai pas pour col, parce que toujours plein de déposer. Tout dernièrement, là, je suis braqué un avocat, je suis chaîne, je suis monté, je suis téléphone, je suis tout à l'heure sur lui avec Zam Namel, c'est côté de la police. Nous avons bien, mais je suis qui est notre négo, parce que je suis deux autres négo avant nous, parce qu'on est sur le même côté avec. Mais, comme je viens que nous déterminer, le parquet est déterminé là, ensemble avec la police, pour travailler ensemble, pour développer une synergie, permettre que nous mettions tout le monde hors d'état de nuire, en dans juridiction, en dans ville. Voilà, on t'a écouté commissaire gouvernement Okaïla, Ronald Richemont, qui fait qu'on a une opération, paquet Okaïla mené dans la tête collée à PNH là, il arrivait tout y est populaire si connu, il y a un présumé bandit qui a l'habitude de rançonner mon bloc la créole, bon tambour à bon cimetière Okaïla, dans l'opération ça, autorité ont saisi une arme calibre 38 qui était en possession. Présumé bandit, hein, n'a pas appelé opération ça mené dans la localité La Créole, un quartier populaire dans la ville Okaï, où tu écoutes intervention commissaire gouvernement Okaï, la maître Ronald Richemont, qui te bat au détail dans le cadre d'opération ça. Nous avons quitté si de pays, hein, nous parlons dans le grand nord pays, hein, nous parlons dans l'opération la police fait dans Sousma la dimanche passé, à plusieurs bandits arrivés perdus la vie, selon vice-délégué arrondissement Okaï, Pierre Christian Jean, un pile nan bandi sa yo pou kounye al kache nan localité Zorange qui pas trop loin sous ce mat là. Toujours d'après information vice-délégué qui fait qu'on est la police ak sipo autorité yo apparaît pour faciliter moun sous ce mat là. Tourner la caillou en côté déclaration. Monsieur Yo gagne office citoyen pour une nouvelle Haïti qui t'a préagi sous mouvement bois calien qui croit c'est impunité à qui la cause citoyen voulait bailler tête aux justice coordonnateur au CNH là Camille Oxius s'est fait connaître ses faiblesses l'état même qui fait population chercher bailler tête les justice défenseur d'homme ne fait connait à côté fait plaidoirie bon côté l'état pour prendre responsabilité yo mais le quoi tout chaque voix dans société a de mettre main tout dans bataille ici là en côté Camille Oxius. Après même nous passer dans la visite sous question photo, nous sommes capables de dire que nous voulons continuer le travail sous question lutte contre la corruption, contre l'impunité. Je dis, si nous avons quitté Kayo et civil armée a occupé l'espace, j'ai oublié, si citoyens paisibles ne sont pas capables de bénéficier de liberté fondamentale, mais c'est civil armé qui dit qu'il n'a pas sorti, qu'il n'a pas sorti, c'est parce que machine impunité a la couru à toute vitesse. Si, je dis, nous avons constaté qu'il y a des actions qui liées à Saint-Abrelé, vengeance privée, il y a des actions qui liées à Saint-Abrelé, justice populaire, c'est absence de l'État, c'est faiblesse de l'État. Je dis, lorsque y a une victime, lui pas maintenant tête ligue en justice qui faut cap identifier agresseur présumé criminel là pour identifier sanctionner victime n'a pas quoi dans ça victime n'a quoi c'est lui pour chercher justice pour tête lui et c'est ça que fait aujourd'hui nous censés à vivre des actions qui liées à Saint-Gabriel justice populaire vengeance privée c'est absence de l'État et nous-mêmes comme organisation, nous avons pour obligation pour nous faire plaidoyer, pour demander à l'État de prendre responsabilité pour le travail, pour garantir ça le droit à la vie, pour garantir la liberté fondamentale de la population. Et c'est plaidoyer ça qu'on fait, et il faut que l'autorité qui l'a prend responsabilité parce que c'est des gens qui levent chaque matin, qui doivent travailler, donc ils ont des obligations. En fait, face à la crise sociopolitique pays à traverser, face à la crise institutionnelle, là, nous croyons chaque acteur, dans le niveau PAYO, doit continuer à poser des actions pour garder qui est capable de résoudre le problème. Là. Et c'est pour ça que nous-mêmes nous croyons. Bataille pour fouiner machine impunité, il faut que toute organisation, tout acteur, mettez-moi dans la bataille ça pour exiger autorité qui est en place, pour exiger acteur concerné, de poser action pour renforcer la justice. Et lorsque vous renforcez la justice, nous voyons un signal pour nous montrer d'avancer vers
état de droit et avancer vers état de droit, c'est dit, quel que soit monde qui pose action qui est à l'encontre de la loi, depuis lui mettre sa société dans une situation difficile, faut que l'État lui-même, la justice lui-même, les sanctionne. Voilà, on t'a écouté Camille Oxyus qui croit mouvement Boakale qui gagne en Haïti, c'est impunité à qui la cause, citoyen voulait bailler tête justice. Quand on interroge CNH à Camille Oxyus, fait connaître ses faiblesses, c'est lui-même qui fait population à chercher bailler tête justice. Il y a un groupe d'organisation pour changement Haïti qui m'a dit association média pour m'a dit directeur opinion pour pas bailler ici là qui sous section micro dans la radio. Sectionné ça, continuer pour crier mauvais la vie qui tabine dans le pays. Gauche Haïti m'a dit tout le monde qui est victime d'insécurité pour te plainte contre le gouvernement Ariel Rien avec Silayo qui sanctionne yo en côté Oscar Fenel qui se porte pour le gauche Haïti pour plus de détails. Gauche Haïti a demandé responsable association média yo, tant qu'on ami ANMH, média indépendant yo, pour passer directeur opinion yo l'ordre et pour pas bailler parole à tout le monde, Canada, États-Unis, République Dominicaine, ILCC dit qui n'en vend ZAM, qui gangsterise le pays. Qui fait moun a mourir chaque jour dans le pays d'Haïti. Moun sa yo, c'est criminel yo. C'est yo qui pille caisse l'État. Papa yo, parler dans la radio. Parce que peuple haïtien en paix, moun sa yo. L'esprit nous paix yo, c'est gang yo et tout. En bas on yo, c'est sans peuple haïtien. Gauche Haïti a demandé la justice, des conseils avec la police. Mettez moun sa yo, yon côté pour nous parler yo. Nous paix yo, l'esprit nous paix yo. Yo trois méchants, yo gen zama en bas radio pour détruire population haïtienne. Gauche Haïti a demandé à tout un peuple haïtien, on nous pote bourré une fois pour tout, pour nous pas jamais engager des dirigeants yo dans tête à pays encore. Parce que moun sa yo pas habité dans pays d'Haïti à toute famille yo. C'est volant yo vin volant pour yo al faire l'autre pays riche en sous dos Haïti. Faut que moun vivant tant kou moun. On nous pote bourré pour nous libérer pays à en bas mafia sa yo. Gauche Haïti a demandé à tout le monde qui perdit yon maman dans famille yon zami yon pote plainte contre le gouvernement Ariel Henry à tout le monde. Canada, États-Unis, République Dominicaine, ILCC dit qu'ils n'ont vendu zam pour tirer population haïtienne qui fait toute l'école crasée, la famille crasée à toute institution nous yo, à sa yo qui n'a pillé caisse l'État qui fait pays à pauvre. Tout le monde dans grand goût. Tout le monde en misère. Faut te plaindre contre yo pour remettre nous. Tout ça nous t'a perdu pendant l'événement. Yo créé. Parce que yo même, yo pas perdu en rien. Toute famille yo a quoi yo volo yo. Pas dans le pays. Gauche Haïti a demandé chef à gang yo. Dénoncer mon nom qui ban nous zam yo. Pour nous pas victimes pour contre nous. Rendre le pays à yon service. Cite nous yo. Pour moun sa yo. Pas faire petit nous. Même ça, yo fait nous. Gauche Haïti a demandé. Peuple haïtien, tout passé, ouais, tout le monde Canada, États-Unis, République Dominicaine, ILCC dit qu'il n'en vend ZAM, qu'il n'en pille qu'est-ce à l'État, pour ça, il n'y a pas jamais répété dans le pays encore. Gauche Haïti a demandé, pays qui partage relations diplomatiques avec nous, voyez tourner famille, tout le monde Canada, États-Unis, République Dominicaine, AK ILCC dit qu'il n'en vend ZAM, qui crase Haïti. N'abtonne-nous à des bois l'ouvrir. Rends Haïti service ça. Pour nous pas jamais des gens de...